effectivement, on va y aller de manière très, très, très forte et en essayant de gagner beaucoup d'espace. Et on va aussi et surtout essayer d'y aller en ayant préparé son coup. Quelqu'un qui danserait le manteau de sa matin comme s'il marchait aurait tout faux. D'accord ? Ce qu'on a trouvé à Saint-Martin, c'est une énergie incroyable à danser. Même pour des gens qui avaient un certain âge, de l'embonpoint, voilà. Et même l'articulation sûrement. Mais en tout cas, la danse les avait bien conservés parce qu'ils étaient capables de restituer une danse extrêmement dynamique. Hein. Voilà. Donc on va y aller comme ça. Pour l'instant, on va juste préparer en faisant un plié et un coude gauche. Juste ça comme ça. 3, 4, 4. Voilà, super. Vas-y, vas-y, vas-y. Ceci, on va même essayer de le mettre carrément devant soi, à gauche. Très bien. Donc ensuite, là on est sur tam. Et vous y arrivez avec espèce d'articulation très souple ici. On va y arriver comme très sèchement, on va y arriver de manière très souple. D'accord. Et ensuite, on va dérouler les choses. Très simplement, on va faire un ma, ma, ma. D'accord ? Donc ça va donner. Là, pour l'instant, on le fait très régulier. On verra après comment ça peut se transformer. On y va. 3, 4. Et là, on ira tranquille. Le jeu, là. Vraiment, la chose essentielle, à faire. Et là, moi ici, je viens de faire quelque chose, je vous montre, je fais et là, qu'est-ce que vous avez remarqué? Oui, regardez mieux. Je vous l'offre. C'est-à-dire, oui, ce que j'ai fait moi par rapport à ce qu'on vient de faire nous, là, c'est ça. C'est-à-dire que moi, ici, au lieu, nous ici, on a fait ça, donc on a fait un sursaut, mais très intériorisé. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire un sursaut, mais qui va, en fait, ce sursaut, il va partir, vous voyez mon pied ici, derrière, il va derrière, le pied droit qui est ici, il va faire ce qu'on appelle un sursaut arrière. C'est ce que Pierre Corbefin a appelé un sursaut arrière. Hein? Donc, tu vas ici. Donc, on va essayer de faire ça dessus. Et voilà. Voilà. Et on va, et bien sûr, de cette position-là, on va enchaîner les trois petits verres. Et voilà. Et là, on va. Encore ça. Il ne manque que tam-tam pour finir. S'il peut y avoir. Voilà, ça va donner. Tam, hein? Tra et un pam pam, reste. Oui. Donc finalement, on a déjà fait, tout le boulot déjà. Ça va donner. Tra, pam, pam, reste. Ça reste là. Pour l'instant, on va y aller tout doux. Regardez nous à la fin de la matinée, ça peut être difficile pour certains, donc économisez-vous. Tra et rampant, reste. On va juste faire reste, une espèce de petite chaque là dans le genou. D'accord ? 20 fois. Tra et rampant. Ce qu'on cherche là, c'est juste à se caler. La quasi-totalité des rondos, c'est ça. Même dans le rondo en chaîne, par exemple, ils veulent partir avec pareil.
voilà. Donc ça n'est pas, je passe, j'imagine par le haut. C'est pas j'imagine par le haut, c'est j'appuie et je peux repartir. D'accord? Il y a un passage par en bas pour pouvoir aller plus loin. Hein? C'est ça la particularité. Super.